Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre bande. Si vous n'êtes pas abonné, de se trouver abonné, allez-y, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo. Parce qu'ici, une fille va parler, une jeune fille va parler et même va donner des conseils aux grandes personnes. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs. La disparition de cette star-là, le 12 août, a dépassé tout le monde. Ça a dépassé le pays, les gens du pays, mais aussi les pays d'alentour. Ici, une jeune fille burkinabé va réagir et vraiment nous dire ce qu'elle pense de tout ça. Pendant que nous sommes touchés et nous réfléchissons même sur comment nous allons marcher pour éviter les histoires. Il y a des gens qui jouent avec Dieu et qui font des choses bizarres et vous savez, les gens prennent ça pour la blague, pour la plaisanterie, se mettre à rigoler, même si c'est tout pareil. Mes frères et sœurs, suivez-nous. Alors, studio, nous allons voir les vraies choses. C'est parti. Comme on vous l'a dit, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo. Partagez maintenant cette vidéo, puisque nous allons au studio, soyez même prêts. Comment les gens peuvent-ils jouer avec des trucs pareils? Cette fille-là même va réagir sur ça. Mais avant, nous allons vous montrer cette vidéo, pour que vous puissiez vous-même analyser de vous-même. Nous allons bien regarder la chose, bien regarder, ok? C'est parfait, nous avons trois autres chaînes. Si vous n'êtes pas abonné sur trois chaînes, cliquez sur un second seulement. À l'instant, pas d'accueil, abonnez-vous sur nos trois autres chaînes et activez les cloches. Il s'agit de Yonsombo 2, Yonsombo 3 et Yonks TV. Vous devez absolument aussi partager cette vidéo pour que beaucoup de personnes puissent comprendre que dans la vie, franchement, on ne s'amuse pas avec tout. Il faut faire attention. Regardez même ça. Comme vous voyez, incroyable, mais vrai. Qu'est-ce qui est incroyable? Qu'est-ce qui est étrange? Nous allons tout voir ici. Cette jeune fille burkinabé a des choses à nous dire. Elle a vu de répondre à beaucoup de questions. Mais quand elle a vu même ce qui se trouve même à l'écran juste ici derrière, ça l'a tellement touchée qu'elle a décidé de réagir. Maintenant vous vous direz, ah, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dans cette vidéo? Mes frères et sœurs, regardez ça. On voit cette star là qui rentre dans un endroit qui ressemble au ciel. Et ces deux personnes qui sont là sont censées représenter des anges. Voilà, cette star est en train de marcher tranquillement. Et vous allez voir ce qui va se passer. Et les anges sont en train de lui dire, mais ah, n'est-ce pas cette star là qui est là? Regardez, écoutez encore. Bien, est-ce que vous remarquez un peu ça?
Maplo là, ça veut dire quoi? C'est un mot nushi, bon, inventé par Sesta, qui signifie coucher avec une femme. Et vous voyez que on nous montre un dialogue, un Sesta là, et Dieu dans ce contenu. Et à un moment donné, on voit cette personne qui est censée représenter Dieu, qui dit à Sesta, écoute, rentre dans le paradis et commence à ambiancer les gens. Et la chanson qu'il danse, c'est une chanson qui est liée au sexe. Et on montre des gens qui sont censés répéter des danses et des anges qui sont juste en train de danser dans le ciel comme ça, comme si Dieu était fait pour ça. Et regardez ça. Venez le voir. Mais comme ils ne connaissent pas ton importance, il vous fait un jour dans le paradis à dire que c'est un machin chambre. Je vais vous montrer comment met Zo sa femme. Je vais vous montrer comment on met Zo sa femme. Écoutez. Et regardez comment les anges sont en train de danser. Ils sont en train de danser comme si ils étaient en train de d'avoir des rapports sexuels avec une femme. Regardez. Voilà, regardez. Voilà. Vous avez vu ça? Est-ce que vous avez même vu ça? Ok. Et les gens ont rigolé avec ça. Les gens ont parlé. Ils ont même commenté. Ils ont dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ah! Mes frères et sœurs, nous savons que Dieu est saint. Est-ce que Dieu peut permettre cela au paradis? Est-ce qu'il peut permettre cela au paradis? Déjà, vous devez savoir que au paradis, là-bas, on ne se marie pas. C'est pas possible. Et regardez ce qui se passe. Face à cette situation, une jeune fille a décidé de réagir et de nous expliquer ce qui se passe. Vous serez même surpris par ce qu'elle va dire. Ce qu'elle va dire risque peut-être de vous toucher. Mais soyez fort. Écoutons-la. C'est après des rapports en cours. Comme vous le savez. Et qui disait que pourquoi Rafat est mort. Et qui disait que pourquoi Dieu attire Rafat très tôt parce que son âge est très petit. Pour penser pour toi, pense quel âge Dieu va te tuer. Pense ça d'abord. Ne nous dis pas. Ne nous dis pas. Tu connais la route qu'on doit prendre pour aller chez Dieu. Tu connais? Comment on connaît la route qu'on doit prendre pour aller chez Dieu? Ouais. Et vous voulez que de vous expliquer la route qu'on prend pour aller chez Dieu? Ok, il n'y a pas à vous expliquer tout. Mais il peut vous expliquer petit. Et qui disait que pourquoi dire à dire Rafat. Faire même ce qu'on pour Rafat. De toute façon, que Rafat a voulu monter la palais à brancher là, sur voiture là. Faire même ce comme ça. Encore, va s'arrêter, il faut laisser une voiture qui vient, plaît. Va ça. Devant le temps pour voiture. Là, vous allez trouver un Rafat devant toi là-bas, vous allez chercher là-bas. Ok? Vous allez faire amitié là-bas. Mais vous êtes malade. Hein? Dieu a fait son travail, vous êtes là, que pourquoi Dieu a dit Rafat? Que Rafat son âge est très tôt pour que Rafat n'est pas. Oui, vous pouvez dire que ah Rafat, tu m'as laissé, il s'est rentré ici, il s'est sorti là, vraiment ici, tous ici de croiser, vraiment Rafat a été. Vous pouvez dire ça, mais ne dis pas pourquoi Dieu a dit Rafat. Ne dis pas pourquoi Rafat est mort. On ne dit pas ça. Quand tu es là, pourquoi Rafat est mort là? La mort t'attend, la mort te poursuivait, tu regardes, te poursuivait. Si tu as regardé, si tu vas attention, tu t'attrapes. C'est comme ça. Vous êtes bête, hein? Pourquoi il y a les hommes qui réfléchissent même pas du tout? Hein? Pourquoi les hommes qui sont très bêtes là même? Les prophètes nous remettent ça là, on les sort là. La personne que Dieu l'a aimé plus que tout son créateur, lui aussi le mort. Donc c'est pas Rafat qui va pas bâtir. Lui aussi le bâtir. Mais, ah, les hommes. Je ne vous comprends même pas du tout.
Et puis, c'est sur Facebook, je vois et elle a dit, alors, je vois sur Facebook, ils ont fait vidéo que, disons, comme lui, il a dit, il attend de juger les hommes. Il attend de juger les hommes. Disons, les vidéos que j'ai vues, la première, il a jugé par pays d'abord. Comme lui, il a dit, il a jugé par pays. Et lui, il a eu mettre à nos frères. Toi, tu t'as mis à Dieu. Donc, c'est Dieu qui t'a mis. La personne qui t'a créé, c'est lui qui t'a mis. La personne qui t'a fait vivre, quand la personne t'a créé, c'est lui qui t'a mis comme ça. Pourquoi les hommes ils sont trop mauvais comme ça? Et puis, je ne sais pas quel jour il vient nous voir aussi. Qu'il ne fera pas t'arriver, c'est Dieu. Qu'il se rentre ici, qu'il ne fera pas te rentrer en paradis. Pour mettre les anges de Dieu en ma glorie. Les hommes sont en ma glorie. Qui est titamine. Dieu, comme titamine, je crois, pour faire mourir les hommes. Dieu t'attente. Voilà, tu vas payer ça, tu vas te payer, bon. Et alors, quoi? Tu vas te payer ça. Ah! Pourquoi les hommes s'amusent à dire comme ça? La personne qui t'a créé, tu es contre lui. Ces hommes, comme il est contre Dieu, et puis vous, les commentaires, vous êtes là, que tu m'as fait un peu sourire, c'est super, c'est quoi? Vraiment, tu m'as fait rire un peu. Merci. Quand tu vas mourir, Dieu va te demander. Mais si tu dois rentrer en paradis là, on dit non, que tout est péché pour que tu dois rentrer en paradis. À cause de ça, que le commentaire que tu as fait, que non, que tu m'as fait rire, que c'est super là. C'est comme ils ont voulu donner le courage, quoi. C'est comme ils ont voulu donner le courage. Tu vas lui faire beaucoup de l'aider. Quand tu vas rentrer en paradis, Dieu dit non, tu vas rentrer. Exemple. Dites-moi, tu vas rentrer en paradis, tu t'es péché, tu es. À cause de ça, que Dieu va avoir encore là. En enfin, lui qui est là, qui est attend de tourner, qui est Rafat, il est rentré en paradis. Rafat est là, il te regarde. Il est là, il pleure. Rafat est là, il pleure. À cause de quoi, moi, je ne sais pas s'il va rentrer en paradis ou s'il va rentrer en enfer. Mais il y a une seule chose que je sais. En fait, il est chaud. Il est chaud. Parce que, quoi, il sait dans une chose. Moi, je sais même que Rafat est chaud dans ça, c'est Dieu. La fiance, lui, il ne sait pas le courant. Lui, qu'il aime ce que c'est le taquier là. Et s'il savait, il allait enlever ici, si la tabane, il va arriver, c'est Dieu. Pour enlever ça, là, il est chaud. C'est Dieu qui va faire un niveau. De toute façon, qu'il s'est taqué pour se maquiller là. Pour enlever ça là. Ça seulement, il va chez Dieu. Moi, je suis. Dieu va nous punir pour ça. Je ne sais pas, je ne sais pas Dieu, je ne suis pas prophète, je ne connais rien. Moi, je sais, je ne connais rien. Et c'est qui rentre en paradis, qui rentre en abeille, je ne sais pas. Mais une seule chose que moi, je sais, on va faire des choses pour cela. Et qui sont là pour taquer les fesses, pour taquer les culs là. Il dit, le jour des jugements, ça va souffrir. Ça va souffrir. Ça va souffrir. Matériellement, nous ne pensons pas ça. Nous ne pensons pas ça. Nous ne faisons que on veut. Nous ne faisons que on veut. Mais là, Allah est là. Vous savez que Allah est bon? Ce premier qui te fait ici la peur, Allah il te regarde, il ne fait rien, il te laisse comme ça. Et puis il te garde encore, il te protège encore. Oh Allah, mon Dieu. Tu dois remercier Allah. Tu dois remercier Allah. Oh mon Dieu. Et puis c'est les hommes qui sont là. Mais Allah qui les a créés, sans lui que tu peux rien faire, sans lui que tu peux rien faire, c'est le même Allah qui ne t'aime pas. C'est le même Allah qui, ce qu'il n'aime pas, c'est ça que tu fais.
C'est le même Allah. Je les déteste comme ça. Ces gens, comme ce que Dieu n'aime pas, si tu perds, c'est comme tu les détestes. Mais, malgré tout ça, c'est Allah qui donne la vie. C'est Allah qui te garde. C'est vraiment incroyable. Vraiment, Allah qui est fort. Si Allah était parmi nous, il disait à nous, il va nous dire qu'il est fatigué. Oh mon Dieu, comment tu peux créer un homme? Comment tu peux créer un homme pour mettre sur la terre, le donnant bonne santé, toutes les meilleures choses. Et puis c'est contre toi en quoi il est. Vraiment, Allah est bon. Vraiment, Allah est bon. Vous êtes là. Que tu es Dieu. Que je m'y prends tant en enfer. Je m'y prends tant en paradis. Tant qu'il est là, que tu as mis Rafat en paradis, que tu es Dieu. À ce moment, Rafat pleurait. Oui, il pleurait. Oui, Rafat pleurait. Je ne sais pas pourquoi il pleurait. Mais la seule chose, c'est ce qu'il pleurait en la vaisseau. Pour enlever ça, Rafat il pleure. Mais Dieu est pitié de nous tous. Dieu fait tout pour nous. Tellement qu'avec notre méchanceté, nous-mêmes on ne s'aime pas. Il y a des hommes qui n'aiment pas Dieu. Il y a des hommes qui disent Dieu, il n'y a pas Dieu, que ce n'est pas vrai. Que si tu mords, que c'est fini, qu'il n'y a rien. Mais c'est que Satan qui vous blague. Mais c'est quel Satan qui est derrière vous. C'est quel Satan qui est derrière vous pour vous blaguer que Dieu n'est pas vrai. Que Dieu n'est pas vrai. Que si tu mens, que c'est fini, qu'il n'y a pas Dieu encore. Oh mon Dieu. La mort de papa Didier. Ça m'a fait très mal. Je sais, mais ce n'est pas dit pourquoi Dieu en fait. Parce qu'il peut tuer moi-même, sans rien. Ok. Alors, mon Dieu, si elle est plus puissante du monde, vraiment, 9 à 10, grand discoupé du Calais, il est parti. Oui, il est parti. Nous, on ne peut plus danser comme avant. On ne peut plus chanter comme avant. Il va nous manquer très bien. Mais ce que je demande pour Allah, que son homme repose en paix. Que Dieu nous donne. Dieu pitié de lui. Que Dieu avoir pitié de lui. Que Dieu a pitié de lui. Rafat, nous te suivons. Nous tous, on va partir comme ça, Jésus. 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 Vous voyez, il est parti. Mais il n'est pas parti avec son Lazare. Il n'est pas parti avec son moto, il n'est pas parti avec son voiture, mais il est parti tout seul, avec Myriam. Oh mon Dieu, avoir pitié de nous, mon Dieu. Avoir pitié de nous, mon Dieu. Si le seul Allah qui a pitié, mon Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire encore. Ce que ça me fait mal, plus que tout,
serviteur de le monsieur. Ça m'a donné trop, très très d'encouragement. Comment un homme peut faire que lui, il est dit qu'il attend de juger le diable maudit. Ah, Allah, encore. Et puis les commentaires sont là pour l'encourager, mon bon Dieu. Moi-même, je vois les commentaires, ce ne sont pas normales et ce n'est pas un. Si une personne dit que oui, super, ça coûte, c'est bien, tu vas voir tous les autres le suivre, même s'ils voient que ce n'est pas vrai, si ce n'est pas eux qui sont intelligents, sinon tous les autres vont le suivre. Si un dit que même si quelqu'un qui a raison, qui a fait une vidéo, mais il a raison, mais si une personne dit que toi, tais-toi, se rendre, s'il commence de l'insulter, tu vas voir tous les autres vont commencer de l'insulter. Mais eux voient vraiment que ça, c'est la vérité. Mais non, parce que je vois. Mais c'est pas. C'est même pas du tout. Mais si une fille, âge de 17 ans, 18, bientôt 18, mais 17 ans, mais ce que je vois dans les pays, ce que je vois. Les moines, et que je vois comment une personne, un homme peut faire méchantiser avec. Oh, oh. Mon Dieu. L'homme est aussi. Si Dieu est méchant comme nous, comment nous devons? Et si on peut vivre et si on peut même faire un homme même sur la terre, il va nous dire, si Dieu était méchant comme nous, il ne va pas nous créer. Dieu qui t'a créé, si c'est contre lui encore tu es, et puis il te laisse, on dit Alhamdoulilah, Alhamdoulilah, Alhamdoulilah. Mais n'oublie pas, il t'attend, le jour qu'il pour toi va arriver là. Il t'attend, tu verras. Toi qui dis que Rafat a rentré en paradis, le jour que pour toi va arriver là, il faut dire à Dieu qu'il va te mettre en paradis, comme il a mis Rafat en paradis. Mais les anges de Dieu à ma plorie, que c'est les anges de Dieu qui danse à ma plorie. Oh mon Dieu. Dieu va tout ça, mais Dieu. Si Dieu avait un cœur comme nous les hommes, il va faire quoi? Il va les faire quoi? Vous me savez ce qu'il va lui faire. Si le Dieu est terre comme nous, vous me savez ce qu'il va faire. Je sais que les gens qui vont me citer dans cette vidéo. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Dites tout ce que vous voulez. Moi, je laisse pour moi le bon Allah. Je laisse pour moi le bon Allah. Allah qui m'a créé. Sans lui que je peux rien faire. Sans lui que je peux rien faire. Sans lui que je peux pas vivre sur la terre. Je demande à Allah la part nous pardonner. Je laisse pour moi le bon Allah. Parce que je n'ai pas incité quelqu'un. Je n'ai pas incité quelqu'un. Parce que je vois, ils sont en train de ni respect, quoi, si Dieu quoi. Mais un peu de respect quand même. Comment toi tu peux dire que tu es Dieu? C'est ça seulement qui m'a fait mal. Et les gens qui disaient que pourquoi Dieu a tué Rafat ou bien pourquoi Rafat est mort, ne nous dis pas, tu connais la route de Dieu. Allez, vas-y mon frère, vas-y ma soeur. Tu es dans ta maison, tu pleures. Tu dois dire à Rafat, ça te fait pas mal. Ça te fait pas mal, si ça te fait un peu mal, tu dois les suivre, dans les suivre. Tu dois les suivre, si ça te fait un peu mal, tu dois les suivre. Oui, tu vas lui montrer que Rafat vraiment, oui, tu vas lui montrer, dis, Rafat, ça m'a fait mal. Voilà, voici que je le suis. C'est comme ça que tu dois lui dire. Moi seulement, là, et c'était moi. Ça ne me fait rien du tout, ni rien du tout. En tant que le bon Allah est là, je te laisse pour moi, Allah. C'est Allah qui m'a créé. Les Allah qui nous écrivent, les Allah qui va nous pardonner. Je laisse pour moi Allah. Bien. Comme vous voyez, mes frères et sœurs, cette jeune fille de moins de 18 ans réagit
sur cette vidéo que nous allons encore vous montrer, vous-même vous allez voir. C'est passé sans doute inaperçu, vous avez pensé que c'était de la blague. Mais franchement, cette fille n'a pas du tout apprécié ça. Regardez même vous-même, regardez vous-même. C'est pas pour moi, hein. C'est même pas pour moi. Il n'est pas encore fini, il fait sortir mon son, vite m'a rapatrié, c'est même pas pour moi, hein. Mon petit, je fais exprès. Le voilà, ne connaît pas ta valeur. Quand tu étais super, on te disait. Les gens te critiquaient. Parce qu'ils ne connaissaient pas ta valeur. Ils ne savent pas que tu es un joueur fort, ça ou ta ou dictateur. Il est pas salaud, il est pas salaud. On va voir continue de te traiter de tous les noms. Regarde par l'écran ce qui se passe sur la terre. C'est maintenant qu'ils vont faire semblant de te chercher. Mais comme ils ne connaissent pas ton importance, que vous faites un jour dans le paradis, à dire que c'est un machin chap. Je vais vous montrer comment un jour sa femme se courage. Mais comme vous voyez, des gens qui dansent en position sexuelle. Gens dans un endroit qui représente le ciel. Comme vous voyez, franchement, c'est une chose qui n'a pas vraiment du tout apprécié cette jeune fille. Et vous-même, vous êtes là. Vous pouvez voir et vous-même, vous pouvez réagir. C'est maintenant qu'ils vont faire semblant de te chercher. Mais comme ils ne connaissent pas ton importance, que vous faites un jour dans le paradis à dire que c'est un machin chap. Je vais vous montrer comment même sa femme. Ils sont courageux. Voilà, ils dansent en position sexuelle. Voilà. Voici ce qu'on nous montre dans une telle vidéo. Ok. Face à une telle chose, cette jeune fille ne pouvait pas s'asseoir, ne pouvait pas vraiment s'asseoir. Et elle a décidé de réagir. Maintenant, dites-nous qu'en pensez-vous. Ah, c'est une fille burkinabé. Elle a juste moins de 18 ans. Et la dissuasion de cette star l'a touchée. Et elle a décidé de réagir à tous les niveaux. Mais quand elle a vu cette vidéo, franchement, elle n'a pas du tout aimé ça. Ah, regardez même encore. Quand tu étais super, on te suivait. Les gens te critiquaient. Parce qu'ils ne connaissaient pas ta valeur. Ils ne savaient pas que tu es le meilleur pour ça ou ta ou dictateur. Il n'est pas salaud, ce n'est pas. Il n'est pas salaud. On va continuer de te traiter de tous les noms. Regarde par l'écran ce qui se passe sur la terre. Ils étaient fans de mon quoi. Ah, ils voyaient ma joie, hein. C'est quoi, ils sont fans, ils sont des cachés sa voix. Je lui fais mal là même, c'est ma chine même, c'est eux qui me font mal. Moi, eux, moi, là, c'est eux qui me mettent. C'est maintenant qu'ils vont faire semblant de te chercher. Mais comme ils ne connaissent pas ton importance, ils vont faire un jour dans le paradis à dire que c'est un machin chat. Ouais, on dit, lui dit, faut faire, tu vas entrer dans le paradis et tu vas te mettre à chanter. Et écoutez, regardez la chanson. Qu'ils sont chantés, comment ils sont dansés même. Je vais vous montrer comment on sa femme. Je vais vous montrer comment on couche avec une femme. Ils sont courageux. Et sur le paradis, on va montrer ce genre de choses. Vous voyez comment les gens s'amusent avec Dieu. Face à une telle situation, la fille ne pouvait pas rester tranquille. Et elle a décidé de réagir. Voici les gens qui sont dansés.
en position sexuelle. Voilà, mes frères et sœurs, ça peut vous paraître bizarre, mais c'est exactement. Que pensez-vous de la réaction de cette fille? Que pensez-vous de sa réaction? Que pensez-vous de ça? Pouvez-vous nous dire vraiment ce que vous en pensez? Ce qu'elle suit, ce que vous devez retenir, ce que vous devez retenir. La vie vraiment est courte. Il faut vraiment chercher Dieu, il faut respecter Dieu, et puis évitons les choses qui risquent de nous condamner plus tard. Que Dieu nous pardonne, mes frères et sœurs. Que Dieu nous pardonne. Partagez cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche, et pourquoi vous préparez de maintenant. C'est parti.